Et salutations, nouvelle tier list. Aujourd'hui, on va parler des free spots et des staples. Donc, on va essayer de faire un classement de toutes les cartes à mettre dans vos free spots sur vos decks pour voir lesquelles sont les plus intéressantes et essayer de classifier tout ça. Alors, petit disclaimer tout de suite, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de pièges dans les petites staples que je vous propose ici. Tout simplement parce que pour moi, quand vous jouez un groupe de pièges, c'est parce que c'est le deck qui veut ça ou... simplement vous voulez voilà un développement contrôle, donc tous les decks ne font pas ça, c'est souvent un gros package en plus, donc c'est pas ce que je voulais ici mettre à l'honneur. Je ferai peut-être un jour une tier liste des pièges, ce serait, c'est même sûr hein, je devrais faire ça un jour, mais là ce que je voulais vraiment c'était des free spots, donc des staples certes, mais des cartes qui rentrent dans un peu tous les decks et qu'on peut se dire voilà, là j'ai 3 places dans mon deck par exemple, 6 ou 12 ou n'importe quel nombre, qu'est-ce que je choisis, quels sont les free spots que je vais sélectionner dans mon deck. Donc pour juger ces free spots, nous avons choisi 6 catégories. Incontournable, ça va être les cartes bah, qui sont vraiment clés, les plus puissantes du jeu à l'heure actuelle en staple free spot. Très fort, ça va être des cartes très très solides également. Correct, ça va être des cartes qui sont joués de temps en temps et à raison, parce que ça peut être des bonnes cartes. Moyen, ça va être des cartes déjà un peu plus mitigées, qui pour moi n'ont pas trop la place dans des decks à l'heure actuelle. Pas très intéressant, ça devient vraiment des cartes faibles. Et nul, c'est des cartes qui sont carrément incohérentes. C'est-à-dire que si vous les avez dans un deck, bah, c'est forcément incorrect, hein, quasiment tout le temps. Alors sur quels critères on va se baser pour classer ces cartes? Pour moi, sur une staple, il y a 4 choses importantes pour savoir si on peut la mettre dans nos free spots ou non. Donc le premier point, c'est l'utilité. Est-ce que la carte, dans la méta actuelle, est là de l'impact? Est-ce qu'elle est utile pour contrer les decks qui sont joués actuellement? Le deuxième point, ça va être la polyvalence. Donc la polyvalence, c'est est-ce que ma carte est forte dans toutes les situations ou est-ce qu'elle est forte, par exemple, que en going second ou que en going first? Donc ça, ça va être des choses forcément qui impactent la puissance de la carte, parce qu'une carte qui est forte dans toutes les situations est forcément plus forte qu'une carte qui va toucher que certaines situations. Ensuite, on va juger évidemment l'effet de la carte, c'est-à-dire est-ce que l'effet est puissant en soi, est-ce que quand on l'active et qu'on la résout, ça fait des choses dingues ou non. Et pour finir, on va juger les restrictions. C'est le dernier point, c'est le moins important, mais il peut quand même être important pour la sélection d'une carte ou non. Parce que c'est est-ce que la carte est trop restrictive pour beaucoup de decks ou quelques decks. Par exemple, il y a des cartes qui ne peuvent être jouées que dans certains types de decks. Par exemple, je ne l'ai pas mis ici, mais Allure of Darkness, vous devez piocher 2, bannir un ténèbre. Voilà, donc ça c'est une carte qui a une restriction. Donc on va évidemment juger est-ce que la carte a des restrictions intéressantes ou non. Ou des fois, est-ce qu'elle n'en a pas du tout. Voilà, on va essayer de prendre en tout cas les 4 critères que je vous ai cités précédemment pour classer à chaque fois chacune des cartes. Comme la tier list précédente, j'ai fait un exemple, donc en commençant par H, que je mets dans incontournable. Alors pourquoi H est incontournable? Tout simplement parce que, regardez, on va prendre les 4 critères qu'on a dit. En termes d'utilité dans la méta, H, ce qui est bien, c'est que c'est une carte qui est super intéressante dans énormément de cas. Il n'y a aucun deck à l'heure actuelle qui soit n'envoie pas du deck au cimetière, soit ne tutorise pas, soit ne spécial summon pas de son deck. Tous les decks ont des mécaniques de ce genre, donc H, elle trouve toujours de l'utilité quel que soit le deck en face, et donc quelle que soit la méta, elle sera toujours utile. En plus, dans une méta actuelle où il y a Cancrelamax qui est une carte super intéressante, H, elle a beaucoup de polyvalence justement parce qu'elle est forte en going first également. Tout simplement parce qu'elle va vous protéger d'une des entrappes les plus effrayantes du jeu. Et même s'il n'y a pas maxé en face, c'est une carte qui pourra faire office d'une sorte de piège en restant dans votre main. Donc en going first et en going second, c'est une carte excellente. En termes de force, si on parle de l'effet de la carte elle fait rarement plus que du 1 pour 1. Mais avant touchant des bons timings, elle peut être très très forte, elle peut stopper des combos, elle peut empêcher beaucoup de value. C'est donc une carte vraiment excellente à tout point de vue. Et au niveau des restrictions, il n'y en a pas à la jouer. Vous pouvez la jouer dans n'importe quel type de deck. Ensuite, on va avoir Call by the Grave, que j'ai pris pour illustrer très fort. Pourquoi Call by the Grave n'est pas dans Incontournable? Parce que, contrairement à H, c'est une carte qui manque un petit peu de polyvalence. En termes d'utilité, c'est très très fort dans la méta. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous en servir pour contrer les hand traps adverses.
à peu près toutes les entrap excepté Nibiru Impermanence. Vous allez pouvoir vous en servir également s'il n'y a pas d'entrap pour la poser et avoir une gestion du tour adverse. En going second, elle peut quand même vous aider à passer des entrap adverses s'il y en a en plus de son board. Mais elle manque de cette polyvalence quand même going second parce que quand vous êtes deuxième, la carte, à part gérer des entrap, ce qui n'est pas toujours le cas que votre adversaire en a, elle n'est pas ultra forte quoi. Contre certains decks, elle peut servir, mais la plupart du temps, ça va plus être une carte qui, dans votre main, affaiblit votre main quand vous êtes en deuxième. Donc, elle n'a pas cette même polyvalence que H, malgré que la carte est très très forte. Et c'est ce qui justifie, à l'heure actuelle, son placement dans le très fort. Pour illustrer correct, j'ai choisi de mettre Cosmic Cyclone. Alors, Cosmic Cyclone, on a une carte ici, en effet rapide, qui peut gérer une magie piège en la bannissant, en payant 1000 points de vie. Pourquoi correct? Parce qu'il y a quand même beaucoup de decks, même des combos où c'est intéressant d'avoir Cosmic Cyclone pour gérer une petite MP posée, pour gérer une pièce de combo parce que des fois il y a des tutos de magie piège, etc. dans pas mal de decks. Contre des decks contrôle, elle est super bien pour pouvoir passer des skill drain, ce genre de choses. Mais il reste quand même des decks contre lesquels elle ne fait rien, il en reste quand même une quantité raisonnable. Et en plus, sans parler de la polyvalence de la carte ou de son utilité dans la méta, en termes de force, vous gérez juste une magie piège. Bon, c'est pas la carte la plus forte du jeu en termes d'effet. Quand vous allez activer, vous n'allez pas instantanément gagner. Par contre, c'est une des anti-magie pièges les plus intéressantes à jouer parce que la possibilité en fait de la poser la rend quand même utile en going first, même très utile, contrairement à des cartes comme Plume of Damarpi ou Orage Foudroyant, qui sont des cartes beaucoup plus orientées pour détruire un board en going second. Elle a cette double utilité, vous pouvez l'utiliser comme un piège ou en going second pour gérer un skill drain, quelque chose. Donc ça reste une carte très intéressante. Ensuite, pour illustrer moyen, j'ai choisi de mettre Denko Seka. Denko Seka qui est une carte, voilà, son point fort, ça va être quoi? Ça va être son effet. Son point fort, c'est que quand vous l'invoquez normalement, hop, toutes les cartes posées adverses sont bloquées et il ne peut plus les activer, donc ça va casser totalement des boards de piège ou des boards de magie rapide, en Sky Striker par exemple. Alors, pourquoi malgré un effet aussi fort, Denko Seka est en moyen? Parce que déjà, comme vous pouvez vous l'imaginer, déjà, tous les decks ne jouent pas des boards de plein de pièges, ou plein de magie rapide. En réalité, en platine, c'est même une minorité. Il n'y a pas tant d'Eldritch que ça ou de Sky Striker. La majorité des decks qu'on rencontre, ça serait quand même des decks plutôt combo. Donc, on a une carte qui, dans un ladder, va être là pour contrer certains types de decks, mais c'est pas ceux qu'on croise le plus souvent. Et en plus, elle est restrictive. C'est-à-dire que vous pouvez la jouer que dans un deck qui ne fait pas de normal summon, parce que forcément, si vous avez des normal summon, ça rentre totalement en conflit avec Denko Seka. Donc, on va pouvoir la jouer que dans certains decks, et pour contrer certaines stratégies, et contre les autres stratégies, ça va être une carte totalement morte de notre main, ça va pas être intéressant du tout de l'avoir. Et donc, ça en fait une carte moyenne, un effet excessivement puissant. C'est pour ça que c'est une carte, historiquement dans le TCG, qui a toujours été une carte de side vraiment monstrueuse, mais qui n'est pas assez polyvalente, et qui n'a pas assez d'utilité dans la méta pour être plus que moyen. Ensuite, on va parler de Raigeki. Et là, c'est la carte que j'ai utilisée pour illustrer pas très intéressante, et du coup, je pense que c'est une carte qui va créer un peu débat. Je vais vous expliquer pourquoi elle est ici. Alors Raigeki, on va reprendre les 4 points comme je vous ai dit. En termes de restriction, qui est le point le moins important, il n'y en a aucune. Hein. Vous pouvez jouer Raigeki dans tous les decks, il n'y a aucun souci. Donc déjà, ce point-là, il est au vert, il n'y a pas de souci. Mais il y a les 3 autres points. Ok, le point le plus important, on a dit, c'est l'utilité dans la méta. Raigeki dans la méta, c'est une carte qui a une utilité un peu moyenne. Parce que c'est une carte qui ne va pas faire des choses à elle toute seule. La plupart des boards sont soit des boards contrôle, voilà, comme Eldritch Sky Striker, et dans ce cas-là, c'est totalement inutile parce que honnêtement, la carte fait pas grand-chose, même si vous allez péter un Eldritch, et encore, c'est pas tout le temps le cas parce que souvent il est indestructible par effet. Et pareil pour Sky Striker avec la Ray qui se reborn, c'est pas très intéressant. Donc, contre les decks contrôle, ça a très très peu d'utilité. Et le problème, c'est que contre des decks combo, et bien souvent ils ont soit des protections de destruction, soit tout simplement des negates. Soit la possibilité de refill un board après un Raigeki. Enfin, genre, je vois vraiment pas de deck à l'heure actuelle qui crée des boards consistants qui se prennent Raigeki et qui se disent aïe, je viens de prendre Raigeki, ça fait vraiment mal. Ça existe pas. Genre, Raigeki c'est une carte vachement datée. Le fait de détruire par un effet de magie tout le board adverse, il y a beaucoup, beaucoup trop de contre dans la méta à l'heure actuelle qui font que Raigeki n'a pas d'intérêt.
mais c'est une carte qui n'est pas une utilité totalement nulle non plus, parce que combinée à d'autres cartes, elle peut être intéressante, comme par exemple Gauntlet, par exemple une autre destruction de masse comme un orage foudroyant s'il n'y a pas suffisamment de negate sur le terrain adverse, c'est une carte qui peut trouver une utilité. Le problème, c'est sa polyvalence. Pour moi, c'est une carte qui ne fait rien quand vous la piochez en main de départ et que vous voulez commencer, vous êtes obligé de la garder dans votre main, et donc pour l'utilité qu'on en a, donc le point qu'on vient de citer précédemment, on ne veut pas une carte qui ne soit utile qu'en going second, on aimerait une carte qui puisse être le maximum polyvalente. Et c'est pas le cas, donc Raigeki n'est ni polyvalente, ni suffisamment utile pour être intéressante à jouer dans un free spot, c'est pour ça que moi je la mets dans pas très intéressant, vraiment par exemple un Denko Seka, qui lui est vraiment très très fort dans certaines situations, la Raigeki c'est une carte justement qui est jamais vraiment très très forte. Et pour illustrer partie nulle, j'ai choisi de mettre les épées de lumière révélatrice, qui est une carte qui est utilisée beaucoup par des débutants parce qu'elle semble forte, parce qu'elle se dit « Ah ouais, je gagne 3 tours ». En réalité, c'est une carte très très faible pour plusieurs raisons. La raison principale déjà, c'est que annuler des battles, c'est déjà pas très fort en soi. C'est-à-dire que ne pas empêcher votre adversaire de jouer, mais juste attaquer, c'est vraiment plus suffisant dans Yu-Gi-Oh! Actuellement, il y a trop d'effets. En fait, à l'heure actuelle, ce qui fait gagner à Yu-Gi-Oh! C'est pas forcément tuer, c'est surtout le card advantage, c'est-à-dire l'avantage que vous prenez sur votre adversaire en termes de cartes qu'il y a sur le terrain, dans votre main, dans votre cimetière activable par rapport à votre adversaire. Si vous avez une avance considérable, que vous puissiez le tuer tout de suite ou plus tard, ça change rien. Vous allez conserver cette avance et gagner forcément. Donc ça c'est le premier problème, mais il y en a un deuxième, c'est que c'est une carte magique continue et qui ne bloque pas les effets, donc qui est destructible, et aujourd'hui il y a énormément d'effets de monstres qui peuvent se débarrasser d'une magie piège. Rien que le Phénix du Cauchemar par exemple, qui est une carte excellente pour gérer une MP, qui est jouée dans à peu près tous les decks, qui nécessite n'importe quelle combinaison de deux monstres, est capable de gérer ses épées de lumière. Et donc en fait, une carte magie continue qui empêche d'attaquer, à l'heure actuelle, c'est impossible qu'elle reste en fait. Il y a trop d'effets qui peuvent la gérer. Donc voilà, on a l'exemple parfait d'une carte qui est datée, qui ne peut plus du tout être jouée actuellement, parce que le jeu a beaucoup évolué et voilà. Ok, à partir de là, on est sur du random, donc on a Lancea directement. Alors Lancea, c'est une carte qui, pareil, comme Denko Seka, a un effet très intéressant, mais qui va, je vais le mettre à côté hein, parce que je le mets dans moyen, mais qui est très basé sur une stratégie de bannissement, donc il y a des decks qui ont besoin de bannir pour développer leur stratégie. C'est vrai, actuellement dans le metagame, c'est pas les decks rois, il y a certes Tri-Brigade, c'est une carte excellente contre Tri-Brigade, il y a certes Edlish, mais Edlish peut vachement se démerder par rapport à l'activation d'une Lancea, par rapport à un Tri-Brigade qui lui est obligé quasiment de passer son tour. Mais le problème c'est qu'il y a trop de decks qui s'en foutent hein, littéralement. Je pense notamment à Drytron qui est l'exemple le plus concis de ça. Avoir une carte qui ne fait rien contre Drytron, c'est quand même un peu triste pour une Entrap. Donc la carte est intéressante, elle a un effet dévastateur. Mais voilà, dans une méta où on sait pas, c'est plus une carte de side et dans un jeu où il n'y a que des BO1, jouer Lancea main, il faut vraiment que la méta soit très concentrée sur du bannissement, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc du coup, elle n'a pas cette utilité suffisante. Malgré une bonne polyvalence, parce que c'est une carte qui peut être forte going first comme going second, parce que la garder en main contre les bons decks, c'est excellent en général. Ensuite, on a Darkcrawler No More. Darkcrawler No More, je vais la mettre dans correct, à côté de Typhon. Alors pourquoi ? Elle a un gros défaut, mais elle a aussi de très bonnes qualités. On va commencer par le défaut. Quel défaut de Darkcrawler No More ? C'est pas du tout une carte polyvalente. C'est une carte qui est bien que quand vous êtes second. En going first, elle reste dans votre main, elle fait rien du tout. Et la jouer au troisième tour, c'est pas une carte intéressante non plus de ouf, parce qu'elle vous fait perdre une battle, donc ça commence à créer des games vachement longues, et c'est pas toujours bien dans les decks où on a envie de la jouer. Donc, ouais, ce côté-là, c'est son gros point négatif. Par contre, si vous êtes dans une stratégie de jouer en second, la carte, elle a un vrai intérêt, parce que si vous êtes allez plus ou moins sûr que 90% de vos games vont être en going second parce que vous laissez commencer votre adversaire, ça devient quand même une carte plutôt intéressante. Vous allez voir que dans la liste, il y a beaucoup de cartes qui sont dans ce cas-là, et Darkcrawler No More, du coup, en fait partie, parce qu'elle va complètement cancel le board adverse, tout simplement. Donc, en termes d'utilité, c'est pas une carte très utile contre les decks avec des magies pièges, donc Edlish, etc.
Mais contre tous les decks combo qui, comme on l'a dit, sont quand même la plus grosse majorité des decks qu'on rencontre en platine, et bah c'est une carte qui va être très très efficace, qui va avoir un effet très très fort en une seule carte, et qui va pouvoir créer des victoires à elle seule. Et donc ça, c'est ce qui fait qu'elle peut être incorrecte malgré son manque de polyvalence. Ensuite, on a la Kaiju qui suit la même ligne que Dark Ruler No More. C'est joué dans le même type de deck, mais plutôt des decks OTK, parce que Dark Ruler No More, on ne peut pas tuer le tour où on le fait. Donc Dark Ruler No More, il est plus pour des decks going second qui veulent gagner au card advantage. Le Kaiju, lui, il est plus dans des decks going second qui veulent tuer dès le premier tour. Donc c'est pareil, c'est une carte assez excellente en soi dans ces decks-là, qui est jouée globalement voilà, dans les decks Numeron, Cyber Dragon, etc. Qui, encore une fois, ne fait rien au deck piège, mais qui, en going second, quand on suit cette stratégie d'avoir environ 90% de chance d'être second, parce que des fois, vous allez tomber contre d'autres going second qui vont vous laisser commencer, c'est ça les 10% qui restent en gros, qui va du coup ne pas souffrir de son manque de polyvalence parce que vous allez pouvoir l'utiliser sur un monstre adverse, voilà, 90% du temps. Ensuite on va avoir Fantasmé. Alors Fantasmé, je vais mettre en moyen. Fantasmé qui est une carte vraiment pas mal pour cycler votre main. Le gros problème de Fantasmé à l'heure actuelle, c'est que déjà elle n'a pas une utilité tout le temps, parce que les liens c'est pas joué dans tous les decks à l'heure actuelle. Par exemple Drytron peut faire un board sans faire aucune link, ou alors quand il fait sa link il y a déjà un negate sur le terrain. Vous avez des decks qui ne font pas du tout de link, Eldritch ne fait pas de link par exemple, et d'ailleurs la plupart des decks contrôle ne font pas de link du tout de manière générale, à part Sky Striker. Et le principal problème de Fantasmé, mis à part le fait qu'il n'est pas jouable contre tous les decks, c'est surtout que c'est une carte terrible en premier. C'est-à-dire qu'elle reste dans votre main, et si votre adversaire ne rejoue pas une link à son tour, bah vous n'allez pas pouvoir en avoir son utilité. Et même s'il le fait, vous allez certes piocher deux cartes, mais sur un tour où votre adversaire peut potentiellement vous tuer. Donc c'est une carte qui trouve de l'utilité très forte contre certains decks. Et en même temps, quand vous commencez, vous n'êtes pas très heureux de l'avoir en main. Donc peut-être que dans des méta futures, elle pourra largement remonter, s'il y a notamment beaucoup de liens qui sont joués sur les top deck méta, mais actuellement c'est pas le cas, et donc du coup elle se cantonne à un rôle de carte de niche, et tant qu'il n'y aura pas de side deck, et même en side deck je pense qu'on la jouerait pas, donc voilà, c'est une carte qui a fort potentiel et qu'on attend potentiel d'autres méta pour pouvoir la jouer. En tout cas elle reste intéressante, elle n'est pas nulle non plus, je pense que la jouer actuellement en ladder ça peut faire gagner des games, mais c'est pas suffisamment fort pour aller au-dessus de moyen. Ensuite on a Prospérité, donc là on va rentrer dans les free spots qui vous donnent des possibilités de stabiliser votre deck, tout simplement. Prospérité est un des meilleurs pour ça, donc on va le mettre dans très fort. C'est peut-être même un incontournable, je vais pas le mettre dans incontournable parce qu'il a quand même des restrictions. Vous allez pas pouvoir jouer des extra decks non plus trop serrés pour pouvoir jouer de Prospérité. Et le deuxième problème de Prospérité, vous pouvez pas piocher, donc vous pouvez pas jouer dans des engines qui piochent. Mais globalement ça reste une excellente carte pour stabiliser une decklist à l'heure actuelle, pour même aller chercher certains free spots de going second, donc en dehors des entraps. Par exemple Droplet, par exemple Impermanence, qui peuvent être des bons free spots à aller chercher via Prospérité quand vous ne les avez pas déjà en main. Et donc c'est juste une excellente carte. Ensuite on a Battle Fader. Battle Fader que je vais mettre à côté des épées. C'est un petit peu mieux que les épées parce que c'est un effet entre guillemets surprise. Mais c'est quand même pas fou. Comme je disais, stopper une battle à l'heure actuelle c'est trop faible. Il y a très très peu de cas où c'est bien. En général par exemple on préférera largement jouer un Nibiru qu'un Battle Fader. Ça a à peu près le même impact. Ça vous sauve d'un OTK. Sauf qu'un Nibiru, il a beaucoup plus d'intact sur le card advantage qu'un Battle Fader, par exemple. Donc pour moi, c'est une carte qui n'a plus d'intérêt dans le jeu actuel. Stopper une battle, ça n'empêche rien. Votre adversaire, vous avez perdu une carte pour 0 de card advantage. C'est pas du tout intéressant. Donc, Battle Fader, malheureusement, ne le jouez pas, s'il vous plaît. Ensuite, on a Crossout. Crossout, qui est une carte qui est essentiellement là pour pouvoir jouer autour des entraps. Crossout, je vais le mettre dans correct. Alors Crossout, c'est une carte un petit peu spécifique. On pourrait dire qu'elle est à côté de Call by the Grave, mais le problème de Crossout, c'est qu'elle est trop faible en going first quand il n'y a pas d'entrap en face, contrairement à Call by the Grave. C'est-à-dire que vous allez l'avoir dans leur main de départ. Si votre adversaire il a une entrap et que vous la contrez, très bien, c'était très bien d'avoir Crossout. S'il n'avait pas d'entrap, vous allez faire votre board, vous allez poser votre Crossout et il va rien servir. Il va servir à rien du tout. Donc si votre adversaire il avait des cartes pour gérer votre board, bah, vous aviez cette carte magie supplémentaire dans votre main qui ne fait rien.
Pareil, si vous faites arrêter, par exemple, pour une entrap que vous ne jouez pas dans votre deck, parce que vous n'allez pas forcément pouvoir jouer toutes les multitudes de entrap, bah, Crossroads va rester dans votre main et il n'aura pas cet effet de jouer comme une floodgate. En going second, la carte est exécrable, elle est encore moins forte que Call by the Grave. Donc, ouais, c'est vraiment pas terrible, à part pouvoir encore une fois gérer une entrap ou un Call by the Grave, justement. Ça servira jamais à rien d'autre. Et du coup, très bonne carte pour jouer autour des entraps, pour avoir, si vous avez une liste combo qui a vraiment besoin d'avoir encore plus de out à maxer H, etc. Et peut-être même Nibiru. Mais à part ça, c'est forcément une carte qui va vous affaiblir en going second, qui va vous embêter en going first quand il n'y aura pas d'entrap, justement. Donc elle mérite pas plus que correct, mais ça reste une carte quand même intéressante et qui peut largement trouver sa place en free spot dans des decks. Ensuite on a Twin Twister que je vais mettre en correct à côté de Cosmic pour les mêmes raisons que Cosmic. L'avantage de Twin, c'est que vous pétez une carte supplémentaire, mais vous avez une défausse. Dans certains decks, une défausse ça peut être très très bien, genre par exemple Orcus, mais globalement ça va être les mêmes points que Cosmic Cyclone, c'est-à-dire deck carte très polyvalente que vous pouvez poser à votre premier tour pour l'utiliser comme une floodgate. En going second, elle peut venir gérer les cartes embêtantes comme Skill Drain, etc. Le problème, c'est que tous les decks ne se la prennent pas, et donc forcément on peut pas la mettre plus que correct. Une carte très forte, c'est une carte qui va commencer déjà à être utile dans quasiment toutes les situations contre tous les decks. Ensuite on a Didicro que je vais mettre dans les corrects également, mais dans le top du correct, parce que c'est une entrap qui touche quand même pas mal de decks à l'heure actuelle, qui peut avoir de très très bons impacts dans la méta. Le problème, c'est qu'il y a certains decks top tier qui la touchent pas du tout. Je pense notamment à Tree Brigade, qui est un deck qui se la prend pas du tout. Mais si on met de côté Tree Brigade et quelques decks un peu plus obscurs, par exemple Numeron, qui est quand même pas mal spammé, et bah si on enlève ça, contre Drytron c'est excellent, contre Eldritch c'est excellent, c'est une carte qui est quand même vraiment pas mal. C'est une bonne entrap à jouer, c'est clairement une carte qu'on peut considérer dans ses free spots, et qui va vous donner des games forcément. Il y a des decks contre lesquels elle est vraiment très très forte, et surtout elle est inattendue, les gens ne s'attendent pas du tout à prendre des Dicro. Ils peuvent jouer autour de H, peuvent jouer autour d'Impermanence, de Nibiru, etc. Mais Crow, en général on joue pas autour, et donc se la prendre ça fait en général très très mal. Hein. On a ensuite Cancrolamax que sans surprise je vais mettre à côté de H. Alors pourquoi en dessous? Parce que H pour moi c'est la carte polyvalente par excellence. Mais Cancrolamax n'est pas en reste, il est très 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 bien en termes d'utilité dans la méta, parce que même les decks contrôle comme Eldritch font des special summons. Même contre un Eldritch vous allez pouvoir piocher 2. Piocher 2, je rappelle, c'est pot de cupidité. Et puis sinon la majorité du temps cette carte va juste faire passer le tour de votre adversaire, ce qui est très très fort. Et surtout, elle va vous permettre, s'il continue et prend le challenge, de gagner instantanément. Donc c'est une carte très très puissante, on le sait actuellement, même si elle a quelques contres, hein, le fait qu'il y ait des H, des Call by the Grave un peu dans tous les decks. Elle est forte going first comme going second, parce que going first, vous allez développer votre board, puis autour de l'adversaire, vous allez faire le maxer, ce qui va le mettre en pression dingue, parce qu'il est obligé de gérer le board, mais en même temps, il vous fait piocher, donc vous allez repartir derrière. Donc il doit quasiment vous OTK ce tour. Enfin, c'est un vrai casse-tête en going first, elle améliore énormément les mains. Et en going second, bah, ouais, c'est une des meilleures entrapes du jeu, donc voilà, elle est très très forte. C'est un incontournable, elle a pas de faiblesse la carte. La seule faiblesse qu'elle va avoir, c'est des decks comme Trudraco par exemple, qui ne font aucune spécial summon, il y en a quelques-uns, et c'est très très rare de croiser ces decks-là. Et voilà, contre tous les autres decks, elle va être vraiment très 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 puissante. Ensuite on va avoir Trou Noir que je vais mettre devant Raigeki, mais à côté, pour les mêmes raisons que Raigeki. Allez voir le timecode de Raigeki si vous avez sauté directement jusqu'à Trou Noir. Mais on va dire pourquoi je la mets un peu au-dessus de Raigeki, parce que Trou Noir peut trouver des synergies dans certains decks pour détruire ses propres cartes et donc activer ses effets. Je pense notamment par exemple à Dino, on peut Norm Bébé effet Trou Noir pour l'utiliser comme starter tout simplement, tout en ayant un clean de board. Ensuite, on a Gamma que je vais mettre dans très fort. Gamma qui, malheureusement, est à 2 sur Master Duel, ça n'empêche pas d'être excessivement puissant. Alors, Gamma, sa grosse faiblesse va se retrouver dans le point restriction. Vous devez jouer une brique dans votre deck qui est Driver, c'est la grosse restriction de la carte, c'est le plus embêtant. Hormis ça, dans tous les decks qui peuvent se permettre de jouer Gamma, donc ça va être des decks qui font pas leur invoke tout de suite pour libérer leur board, pour que la carte soit polyvalente et forte en going first contre les entrap. Et en going second, c'est une des meilleures entrapes du jeu, parce qu'elle fait à la fois office d'un negate et d'une destruction.
Donc c'est une des entrappes les plus punitives du jeu, ça peut totalement stopper votre adversaire. La carte peut également contrer maxer s'il n'est pas ultra bien utilisé en face ou parce que vous avez déclaré une spé, vous n'avez encore rien sur le terrain. Donc honnêtement, c'est une carte très polyvalente, très puissante. Le seul truc qui fait qu'elle n'est pas dans incontournable à l'heure actuelle, c'est qu'elle est semi-limitée sur Master Duel et du coup, la présence de la brique pour seulement deux bonnes cartes fait qu'on ne peut pas la mettre dans incontournable. Mais c'est une carte très 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 forte dans Virtual World actuellement, elle est vraiment 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 effrayante. Donc voilà. Ensuite on a Ghost Bell que je vais mettre en correct mais plus loin que Didipro. Ghost Bell c'est une carte intéressante qui offre des negates sympas. Le problème c'est que dans la méta Master Duel actuelle, elle n'est pas non plus ultra punitive sur les decks qui sont le plus joués. Par contre elle a une polyvalence très sympa et selon la méta ça va être un peu comme Fantasmé, mais quand même elle est plus forte que Fantasmé à l'heure actuelle, mais si la méta évolue c'est une carte qui pourrait revenir en force, donc à surveiller Ghost Bell. Ensuite on a Ghost Ogre que je vais mettre au niveau de Fantasmé, c'est pareil, c'est une carte qui est pas assez punitive à l'heure actuelle. Ghost Ogre en tant que Untrap, elle pourrait le devenir selon la méta, par exemple actuellement en TCG avec Brave Token, c'est une carte qui est vraiment revenue, donc c'est peut-être potentiellement une carte qui reviendra sur Master Duel selon la méta. Ensuite impermanence que je vais mettre dans très fort. Impermanence, je vais la mettre quand même derrière Prospérité, mais c'est une carte, une des entrappes les plus intéressantes à jouer. Sa polyvalence est énorme, vous pouvez la set à votre tour pour en faire office de piège. Au tour adverse, vous avez une entrap qui negate. En plus, si vous la piégez en 6ème carte, contrairement aux entrap, elle reste utilisable. Le problème de impermanence, on dit, enfin, c'est pas vraiment un problème, hein, c'est même clairement pas un problème, mais par rapport à une hache ou un maxé, c'est que son effet est, alors pour hache par exemple, si on la compare à hache, elle a une polyvalence un petit peu moindre parce qu'elle ne va pas vous protéger de maxé. En fait, en going first, c'est juste une entrap. Même quand vous allez la poser, ça va être un negate d'un effet de monstre sur le terrain. C'est pas non plus un effet qui est ultra redoutable. Et contrairement à Maxé, vous n'avez pas un effet aussi puissant que Maxé. Mais en soi, voilà, on sait que H et Maxé sont les deux meilleurs. Mais vous avez plein de decks qui ont besoin de plus de free spots que 6, hein, évidemment. Et c'est quand même, si on nommait H et Maxé, une des meilleures entrappes, voire la troisième meilleure entrappe du jeu, avec Gamma, mais Gamma, comme on a dit, il n'est pas jouable partout, donc ça reste quand même une carte vraiment très 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 forte. Et on a le copain d'impermanence qui est Veiler, qu'on va le mettre à côté. Alors, pourquoi moi vraiment je les mets sur un pied un peu d'égalité. Impermanence a un chouïa plus fort pour moi que Veiler, parce qu'elle peut être utilisée en 6ème carte, et le petit avantage qu'a Veiler sur Impermanence, c'est que c'est une carte qui est dans votre main, donc qui ne peut pas être gérée par des pet MP. Donc qui reste une interruption qui n'est pas gérable par votre adversaire, entre guillemets. Mais je pense que c'est pas suffisamment avantageux pour passer devant Impermanence. Par contre, jouer la combinaison des deux, ça peut être sympa. Il y a beaucoup de gens qui font H, Maxé, Imperm, Veiler sur 12 free spots, et ça reste très intéressant, tout à fait. On a Pot de l'Extravagance que je vais mettre en correct, contrairement à son ami Pot de Prospérité, parce qu'il est beaucoup plus restrictif. Le pot de l'extravagance que je vais mettre d'ailleurs ici, hop. Le pot de l'extravagance, le problème c'est que vous pouvez déjà beaucoup moins jouer dans des decks que le pot de prospérité, parce que vous sélectionnez pas les cartes que vous bannissez, donc forcément c'est des decks qui vont avoir des extra decks soit très petits où vous pouvez jouer toutes les cartes x3, soit où l'extra deck n'est pas très utile tout simplement. La carte vous fait piocher 2, donc elle vous donne du plus 1 contrairement à prospérité, par contre vous choisissez pas ce que vous piochez. Et vous pouvez, comme le prospérité, pas draw le tour où vous le faites. Donc beaucoup beaucoup de restrictions sur la carte, même si elle a un effet plutôt fort de manière générale. Je trouve que la carte est bien, mais avec prospérité qui existe dans le jeu, on la voit quand même très peu. Au final, il n'y a que des decks très contrôle qui veulent piocher absolument des combinaisons de pièges qui la jouent au-dessus de prospérité. C'est une carte qui est correcte, mais qui n'est pas dans très fort. Nibiru. Alors Nibiru, c'est le plus gros débat de cette vidéo, et même moi je sais pas vraiment où le caser. En fait il y a un problème avec Nibiru qui fait qu'il est difficile à caser, c'est qu'en soi si tu prends juste la force de la carte, en soi dans la méta à l'heure actuelle, elle est pas forte du tout. Pourquoi? Parce que les decks qui sont joués à l'heure actuelle normalement ne se la prennent pas.
Gritron peut jouer autour assez facilement. Adam Ancipator, pareil. Tri-Brigade Lirilusk, ça se la prend dans le coup, c'est difficile de jouer autour. Même s'il y a quelques plays gameplan qui font que tu peux jouer autour. Edlish se la prend pas. La plupart des autres decks combo ne se la prennent pas. Donc en soi, quand on voit ça, on se dit mais attends, mais elle est nulle la carte. Mais le problème, c'est que ça, c'est dans un monde où tout le monde joue parfaitement. Et c'est pas du tout le cas sur Master Duel. Il y a beaucoup de gens qui jouent pas autour de Nibiru. Mais genre pas du tout, alors qu'ils le pourraient. Je pense à des decks comme Virtual World qui sont capables de jouer quasiment tout le temps autour. Et je les vois jamais jouer autour. Pareil dans Adam, pareil dans Salam, pareil dans Dritron. Même Dritron qui est un deck qui peut super facilement jouer autour. Ils jouent pas autour. Enfin, c'est. Je sais pas. Les joueurs, en fait, sont pas habitués à cette carte. Et en fait, elle est tellement forte contre des joueurs qui font pas attention que ça relève son niveau en fait. Alors que théoriquement, si on prend juste la théorie, moi je vous dis, je fais beaucoup de tournois, etc. Et je sais que Nibiru, c'est une carte vraiment difficile à jouer de manière générale contre des joueurs qui ont un très bon niveau. Et pourtant, dans le ladder, c'est terriblement efficace. Donc, vu que moi je me base sur le ladder, je vais la mettre dans correct. Parce que c'est une carte qui actuellement fait des games. Et pourtant, sur la théorie, elle est pas si forte que ça, quoi. Et je sais pas, moi je la mets en correct. Parce que, en soi, si vous la jouez à l'heure actuelle en platine, vous allez gagner des games avec elle. Et ça, c'est un fait que je ne peux pas réfuter, donc elle doit être incorrecte. Malgré le fait que, théoriquement, c'est une carte qui mériterait d'être en moyen, quoi. Ensuite, on a Heavenly Match que je vais mettre à côté de Darkcrawler No More, parce que c'est des cartes qui se valent. En gros, c'est des cartes qui sont pour des decks going second, qui veulent gagner au card advantage. Par exemple, à des Altergeist going second, c'est un exemple de deck qui vont jouer ça. Et du coup, je trouve que Heavenly Match c'est une très bonne carte au même titre que Darkcrawler No More quand on est dans ce timing là, parce que 90% du temps elles vont être bien parce qu'on laisse notre adversaire commencer et elles sont très fortes dans le rôle qu'on leur attribue. Après, c'est des cartes qui rentrent pas dans tous les decks et qui sont très restrictives à ce niveau là, mais bon, voilà, elles méritent quand même d'être dans le correct parce que c'est des cartes dans leur rôle, dans leur petite niche, qui sont très intéressantes. Ensuite, on a Droll, et Droll, pour moi, va être le troisième et je pense dernier à avoir le droit à aller dans la case incontournable. Droll, pour moi, est très sous-estimé à l'heure actuelle. C'est une des meilleures cartes du jeu pour plusieurs raisons. Déjà, dans une méta platine, je trouve que la carte en going second, elle est excellente. Son effet est très très fort. Il arrête énormément de decks qui ne jouent absolument pas autour. Et d'ailleurs, c'est un peu difficile de jouer autour vu les handtraps qui sont joués en présence à l'heure actuelle. Mais elle est surtout très 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 polyvalente cette carte, parce qu'en going first, dans la plupart des decks qui ne tutorisent pas énormément, elle fait office également de contre à Cancrelamax au même titre que Ashe. Donc on a une carte qui va être un peu comme Ashe, qui va vous servir dans les deux situations très polyvalentes, going first, going second. Et en termes de tuité dans la méta, qui va toucher la plupart des decks. Il y a quand même des decks que vous touchez pas énormément, genre Edlish, vous allez pouvoir le toucher mais brièvement. Voilà, il y a quelques decks en effet qui se la prennent pas des masses, mais en même temps, elle en touche tellement d'autres et elle est tellement polyvalente que pour moi, la carte, elle mérite d'être ici. Tous les decks peuvent pas la jouer de manière consistante parce que il y a des decks qui tutoient beaucoup. Par exemple, avec Gnister, vous pouvez pas vous permettre de jouer Droll en tant que protection maxée parce que vous tutorisez beaucoup trop. Donc si vous la jouez, c'est uniquement pour ses capacités de going second. Mais bon, la carte est tellement forte en fait. Genre, pour moi, c'est un des incontournables actuellement de Master Duel. Et il y en a trois, et c'est ces trois cartes-là. Forbidden Calice que je vais mettre en pas très intéressant. Parce que malgré son effet de negate, et le fait qu'on puisse la poser en going first hein, quand même, elle est pas suffisamment forte. En fait, tu préfères... C'est surtout qu'elle a des rivaux qui sont trop forts, genre Droplet est une carte infiniment meilleure que Calice, on ne l'a pas encore traitée, mais vous verrez qu'elle est bien meilleure que Calice et que ses restrictions ne sont pas suffisamment contraignantes pour qu'on se dise on va jouer Calice à la place de Droplet. Et Impermanence est également une meilleure carte que Calice de manière générale. La seule raison actuellement de jouer Calice, c'est parce que c'est une carte rare et qu'on n'a potentiellement pas Craft ni Imperm ni Droplet. Mais du coup, si on prend juste ça, si on oublie les gemmes, on est obligé de dire que Calice est beaucoup moins forte. Ensuite, on a TTT que je vais mettre dans pas très intéressant également. Et là, il y aura peut-être débat parce que c'est une carte qui fait des débats depuis longtemps. Mais pour moi, cette carte est trop faible parce qu'elle n'est pas suffisamment polyvalente. En fait, on est dans une méta où tout le monde joue maxé. Et on a une carte qui est censée être là pour nous aider contre les handtraps. Majoritairement, ça doit être son utilité. Sauf que quand vous prenez maxé, en fait, de piocher, de gérer une carte dans la main de votre adversaire ou de prendre le contrôle d'un monstre, ça ne va jamais vous aider.
ça va de toute façon pas résoudre la situation. Donc en fait, le problème c'est que TTT, elle est pas suffisamment forte dans le rôle qu'on voudrait la voir, c'est-à-dire être forte contre des Undrap. Et en carte de Going Second, elle est trop faible également parce qu'elle souffre des mêmes problèmes que Raigeki. C'est que c'est une carte qui peut se faire negate quand le board est déjà full. Le fait d'avoir juste une prise de contrôle comme ça, c'est pas non plus un effet dévastateur. Et en plus, il faut que votre adversaire ait déjà activé un effet de monstre en main phase, donc il y a des restrictions. La carte est trop problématique dans une méta, tant qu'il y aura maxé dans le jeu, pour moi, ça sera toujours mieux de jouer soit Désignateur, soit Call by the Grave au-dessus de TTT. Donc du coup, je la mets dans pas très intéressante, parce que sa pseudo-polyvalence n'est pas du tout efficiente. Ensuite, on a Gouttelette que je vais mettre dans Très Fort, qui fait partie d'une des meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle. L'avantage de Droplette, c'est qu'elle a une pseudo-polyvalence un peu comme Impermanence, c'est-à-dire que vous pouvez la poser à votre tour pour avoir quand même un negate. C'est quand même moins fort qu'Imperm, parce qu'elle nécessite de faire sauter une carte soit sur le terrain, soit dans votre main, donc c'est quand même vachement restrictif pour l'effet qu'elle donne, c'est-à-dire une division attaque par deux, ou enfin plus une annulation d'effet. Mais en soi, c'est quand même utilisable, donc ça la rend polyvalente. Et en termes d'utilité, ça touche un peu toute la méta, c'est très très bien pour remonter un peu n'importe quel type de board, c'est juste pas bien contre des decks contrôle, encore une fois, qui se prennent que les anti-MP au final, hein. Ces cartes-là, ils s'en fichent un petit peu. Mais bon, la carte est quand même vraiment violente en going second, utilisable en going first, donc c'est quand même une très 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 bonne carte, de manière générale. Ensuite, on a Plumeau que je vais mettre en très fort, qui fait partie des meilleurs anti-MP pour moi. Heureusement qu'il est limité à 1, parce que sinon ça serait vraiment dévastateur pour les decks contrôle. L'avantage de Plumeau, c'est que je le trouve assez polyvalent dans le sens où, ok, en go first, vous êtes obligé de le garder en main, mais il va souvent trouver une utilité dans la game de toute façon, contrairement par exemple à Orage Foudroyant qui reste dans votre main et que vous pouvez plus utiliser une fois que vous avez commencé à développer du board. En going second, elle est excellente contre les decks back row évidemment, et contre les decks combo, c'est le même histoire que Typhon, vous avez toujours une ou deux cartes à venir gratter. Mais Duster, ça fait tellement mal un deck control, c'est tellement une carte qui peut vous faire gagner des games instantanément. En fait, elle est tellement puissante qu'elle mérite d'être dans très fort rien que pour ça. Ensuite, on a le Golem de Lave qui est très restrictif comme Denko parce qu'il prend la normale summon et qui va être joué plutôt dans les decks control. Golem de Lave qu'on va mettre tout simplement à côté de Keiju parce qu'ils ont globalement une utilité similaire. Certes, Golem de Lave n'est pas une carte qui est jouée dans les stratégies de going second, on va le jouer dans les decks qui commencent quand même. Mais il faut dire ce qui est, comment c'est que Golem de Lave, c'est qu'une brique. Hein. C'est-à-dire que quand tu prends la main, dans ton deck piège, t'as ton Golem de Lave, tu sais qu'il va te servir à rien. Il est juste là pour rattraper le faible win rate que t'as en going second avec des decks pièges. Donc ok, il rattrape cette problématique là, mais on doit avouer quand même que la carte n'est pas polyvalente du tout. Même si elle a une excellente utilité dans la méta, on la joue pour rattraper une faiblesse d'un deck et c'est tout. Et c'est un peu dommage pour moi, la carte va pas plus de correct, elle est pas suffisamment polyvalente, même si son effet est très efficace. Ensuite on a Peau des Désirs que je vais glisser directement dans très fort, parce que c'est une carte qui est pas restrictive du tout, c'est-à-dire que le ban 10, on pourrait croire que c'est restrictif, ça l'est pas tant que ça. Au final, dans tous les decks qui jouent un petit peu leur carte x3, vous pouvez largement jouer Peau des Désirs et vous en sortir. La carte c'est quand même un pioche 2 gratuit, donc... pour moi c'est une meilleure carte par exemple que Extravagance qui est trop restrictive. Ici Peau des Désirs, vous pouvez continuer à piocher, vous avez aucune restriction à part le fait d'avoir banni 10. Donc dans beaucoup de decks, ça permet juste d'avoir une carte qui fait office d'un pot de cupidité, c'est exactement ce qu'on veut. Elle est quand même en rivalité avec le pro de Prospérité qui certes ne pioche pas 2, mais lui peut vous amener n'importe quelle carte sur le dessus de votre deck qui sont dans les 6 premières, donc, ce qui est très très bien parce que ça peut vous chercher exactement la carte qu'il vous faut. Mais en même temps, Peau des Désirs, ça vous donne 2 cartes, donc dans des decks où il y a beaucoup de spots qui vous semblent intéressants et puissants, et c'est à la fois une carte qui fait office un petit peu de stabilité et surtout qui rend vos mains encore plus puissantes. Donc c'est une carte qui va largement dans très fort. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Typhon d'espace mystique, on va le mettre dans pas très intéressant. Pour la bonne raison que même si c'est au même titre que Cosmic et Twin, une carte polyvalente, etc., il y a juste mieux en fait. Twin détruit 2, Cosmic banni.
Ok, pour Twin, vous avez une défausse, mais c'est pas très très grave. La plupart des decks qui vont jouer Twin vont rentabiliser cette défausse. Et ok, pour Cosmic, vous payez 1000 points de vie. 1000 points de vie, c'est une restriction qui est anodine, hein, totalement. Donc en fait, il n'y a pas de raison à l'heure actuelle de jouer Typhon d'Espace Mystique. Encore une fois, c'est parce qu'on a voulu craft une carte qui était moins chère à craft que Cosmic ou Twin, qui sont des SR, hein, qui sont quand même faciles à craft de manière générale. Donc il n'y a pas trop de raison de jouer Typhon à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'il est dans pas très intéressant. Ensuite on a Schoolmaster que je vais mettre à côté de Crow dans Correct, qui est quand même une bonne carte à l'heure actuelle, qui est utilisable contre Trébrigade, qui est forte contre Drytron, qui est forte contre Edlish, qui est forte contre beaucoup de decks joués à l'heure actuelle. Donc c'est une untrap qui vient bien se compléter avec des haches, etc. Ensuite on a Super Poly que je vais mettre en moyen, parce que le problème c'est que à l'heure actuelle, même si ce serait une excellente carte de side, on est en BO1 et Super Poly ne touche pas tous les decks à l'heure actuelle, elle en touche même, je dirais qu'elle en touche 30-35%. Ok, elle va être broken contre ces decks là, mais contre les autres decks, elle va servir à rien. Par contre la carte est très polyvalente, c'est-à-dire que contre les decks que vous ciblez, elle est forte going first, going second, donc ça c'est super bien. Là ce qui pêche c'est vraiment son utilité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de decks à l'heure actuelle qui se la prennent pas, et donc du coup on n'a pas envie de jouer une carte dans notre deck qui est inutile dans beaucoup de situations et dans beaucoup de notre game. Shifter, c'est une carte très 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 restrictive qu'on peut pas jouer dans beaucoup de decks, par contre qui a un effet fumé, qui est polyvalent parce que tu utilises going first, going second dans les decks qui peuvent la jouer. Donc c'est une carte un peu spécifique, je vais la mettre dans Correct. En fait, le fait qu'elle va pas plus loin que Correct, je vais la mettre là. C'est tout simplement qu'il y a très peu de decks qui peuvent la jouer au final. Et même si elle est très très forte dans la méta, la carte, on peut la jouer dans pas suffisamment de decks pour qu'on puisse la considérer elle-même comme un free spot, une staple. En fait, limite le fait qu'on l'appelle comme une staple, c'est limite incorrect, tellement il y a peu de decks qui la jouent. Mais dans les decks qui la jouent, il faut avouer qu'elle est excessivement forte. Et donc on va la mettre dans le correct, parce que quand tu prends un shifter à l'heure actuelle, tu pleures vraiment. Orage foudroyant, qui est une carte que beaucoup de gens jouent parce qu'elle a été offerte. Et je vais la mettre dans le correct à côté de Typhon et Twin. Alors, Orage foudroyant, pour moi c'est une carte qui ne doit être jouée que quand vous êtes second. C'est-à-dire que vous avez une stratégie d'aller en deuxième. Et ça c'est une erreur que beaucoup de gens font, ils jouent des decks de going first où ils glissent leur petit orage qu'ils ont mis dans leur bundle dans un de leurs free spots. Mais on ne fait pas ça, quand vous commencez la carte est ignoble, vous êtes obligé de la garder en main et vous n'allez jamais l'utiliser de toute la partie. Tout simplement parce qu'une fois que vous avez développé un board, elle devient inutilisable. Par contre dans un deck going second, c'est une bonne carte qui fait à la fois office de trigger des negates sur le terrain adverse, donc qui a ce côté polyvalent, et surtout qui peut détruire des boards un peu comme un plumeau, donc très fort contre les decks back row. Donc c'est une très bonne carte dans cette stratégie là où on a à peu près, comme je vous disais, 90% de chance d'être going second. Donc voilà, c'est au même titre que Kaiju, au même titre que le Dark Ruler No More, ce sont des cartes excellentes, même titre qu'Evenly Match par exemple. D'ailleurs c'est des cartes qui vont très très bien ensemble, toutes ces deux-là. On a Red Reboot qui est que x1 sur Master Duel, heureusement. tant qu'il n'y aura pas de side, Red Reboot ne sera pas une carte overcrackée. S'il y avait un side, évidemment qu'elle serait dans indispensable. Mais là, c'est pas le cas. Et du coup, elle souffre du même problème que Evenly et que notre ami Orage. C'est une carte qui est basée sur du going second. Donc, on va jouer dans des decks going second. Et qui ont. Alors, elle n'est pas polyvalente dans le coup, mais c'est sûr qu'elle fume des decks de trap. Voilà. Si vous la jouez x1 et que vous la touchez contre un Edlish ou n'importe quoi, ça va le fumer. Il peut rien faire. Voilà, c'est juste une carte qui est là pour détruire des decks contrôle, hein, globalement. Pancratops que je vais mettre en moyen à l'heure actuelle. Pourtant, c'est une excellente carte, Pancratops. Pourquoi je la mets en moyen? Parce qu'en fait, elle n'a pas autant de force que les cartes de Going Second qu'on a vues jusqu'à maintenant. Elle est moins forte pour moi qu'un Kaiju quand votre stratégie, c'est vraiment d'aller deuxième, quoi. Elle est moins forte pour moi qu'un Kaiju. Elle est moins forte que les grosses cartes de clean qu'on a comme Storm, comme Dark Ruler No More, Evenly ou Red Reboot. Et en même temps, c'est une carte qui est inutile going first, totalement. Et donc du coup, en fait, on veut pas la jouer dans une stratégie haute que going second. Sauf que dans une stratégie going second, toutes les cartes que j'ai citées précédemment, on voudra les jouer plus qu'un Pancratops. Donc si on peut jouer Pancratops, il n'y a pas de souci. Mais si on joue, c'est parce qu'on a encore une place en plus des cartes qu'on joue déjà.
Et ensuite j'ai Upstart. Upstart qui va représenter toutes les cartes qui font du 1 pour 1. Donc ça veut dire Chicken Game, ça veut dire Into the Void, ça veut dire Upstart Goblin, ça veut dire Allure of Darkness également. Donc pour moi, jouer ces cartes, ça veut dire qu'on est dans une stratégie d'un deck qui remplace ses free spots par de la stabilité. C'est-à-dire qu'il joue déjà potentiellement des pots et il joue de la stabilité supplémentaire. Le problème de ça, c'est que si vous faites ça, c'est que votre deck n'est pas stable de base. Donc le deck, il a déjà des défauts en soi. En fait, tu préféreras toujours jouer un free spot réactif qu'un free spot qui te stabilise ta liste. Si tu joues un free spot qui stabilise ta liste, c'est que je considère que ton deck a besoin de stabilité, donc il n'est pas optimal. Dans ce sens-là, je vais mettre Upstart en moyen. Parce que pour moi, c'est des cartes qu'on rajoute uniquement quand le deck n'est pas terrible. Et donc, du coup, ça nous fait perdre des free spots. Donc, du coup, ça nous fait perdre des staples. Et on préfère un deck qui a 12 ou 15 free spots avec des hand traps, avec des cartes de réaction pour pouvoir gagner aussi bien going first, going second, qu'un deck qui joue que des cartes de stabilité et qui peut gagner que quand il commence. Voilà, donc c'est l'idée. C'est pour ça que je mets ce package-là dans moyen. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une analyse vraiment poussée de tout ce qui est staple free spot. J'espère que ça vous a éclairé sur les cartes à jouer dans vos main decks. Évidemment, chaque carte nécessite une réflexion par rapport au deck que vous allez jouer. Là, on fait un bilan général. Il y aura tous les time codes de chaque carte dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.